In Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one, becomes so excited, watch her look at her run. Oh, oh mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Cause they'll be rocking on Bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Il va se lever, puis comme d'habitude, il va encore chialer que son déjeuner est froid. Comment ça, maman levée, puis m'a chialé comme d'habitude que le déjeuner est froid? Normalement, pas un chiolo. Voyons, chérie, je n'ai pas dit ça. Poudon, il devine-tu qu'est-ce que je pense? Hey, ma chérie. Oui? Il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable. Quoi? Je pense que je suis rentré dans la quatrième dimension. Ah ouais? Oui. Va m'asseoir et va t'expliquer ça. Il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable que je t'arrête de me répéter. Parce que je crois que je suis rentré dans la quatrième dimension. La quatrième dimension? Oui. Va te dire pourquoi. Tantôt, quand je me suis levé, je suis enfoiré dans un souris de balayeuse, puis j'ai tombé, mais j'ai cogné le front sur la table du salon. La tête a commencé à me tourner. On aurait dit qu'il s'est passé quelque chose en moi. Je sais pas, quelque chose comme si l'électricité rentrait en moi, quelque chose comme ça. Puis quand je suis arrivé ici dans la cuisine, tu étais en train de penser à quelque chose, puis j'ai deviné tes pensées. Deviné mes pensées. Exactement. Fait que c'est pour la raison que
là, on en discute plus, on va aller au salon, puis on va tenter des expériences. Tu vas penser à quelque chose, je vais essayer de deviner tes pensées. OK. Ah, c'est vraiment incroyable, mais vraiment, ouais. Ted, entrer dans la quatrième dimension, pense-y. La quatrième dimension? Là, on va continuer à deviner ce que les gens pensent que tu penses. Imagine, n'est-ce pas? En plus, peut-être passer au travers des murs, peut-être voler, je ne sais pas. Passer au travers des murs? Peut-être, on ne sait pas. Viens au salon, on en discute un peu, on fait quelques expériences. OK. Je vais t'en rappeler. Fais attention, mon petit chaton d'amour. Oui. Mais maintenant, l'expérience qu'on va faire, c'est que, là, je viens juste de mettre mes lunettes. Je vais voir, pour voir avec mes lunettes, je suis capable de deviner tes pensées. Pense à quelque chose, et je vais deviner ta pensée. Pense-y bien. OK. Pense-y bien. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. Oui, c'est ça! Hey, c'est ça! Que j'ai pensé. Bon, ben là, maintenant, tu vas penser à autre chose, OK? Pense-y comme pour autre chose. OK. Je t'ai trouvé si beau que quand tu m'as parlé, je croyais rêver. Je t'ai trouvé si beau quand tu m'as parlé que je croyais rêver. Ah, t'en fais ça! Hein? J'ai pensé. C'est ça? Oui, c'est ça. Oh, c'est merveilleux! Pense-y, pense-y donc, c'est merveilleux! Devine les pensées! Hey. Ça fonctionne! Un carton d'amour! Mm. Bon! Là maintenant, mon petit carton d'amour, là, faut que je vienne travailler. Parce que là, j'ai pas le choix, là. Là, on va penser de la façon qu'on va gérer cette situation de la quatrième dimension. La quatrième dimension. Incroyable, mais voilà, ça se fait pas. Mais là, aujourd'hui, là, tu peux appeler la belle-mère, ça ne t'en a pas, parce que c'est pas de rien. Non, OK, non. Voilà. Mais, une chose, c'est que là, comme je t'ai dit tantôt, là, j'étais nerveux, c'est pour ça que je me bafouille, là, que je sais pas quoi dire. C'est même toi, mec. C'est incroyable, mais vrai. Là, avant d'aller travailler, j'ai des commissions à faire okay. Au magasin Canadian Tire. OK. Et au Zeller. Parce que tu sais, surtout le magasin Zeller, c'est un très bon magasin. Oui. Magasin avec des gros spéciaux, même Canadian Tire aussi, mais Zeller, je pense que c'est encore mieux. En tout cas, peu importe, là. Pas ici pour vanter Zeller avec les magasins. Et puis, je vais aller travailler, puis après, à la fin de la journée, on s'en parle. Quelle la façon qu'on va fonctionner avec ça, OK? OK. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million. Famed autograph. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Become so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. They'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay. Thank you.
Alléluia. Ouais, ok, c'est volé. Mais je n'ai pas besoin de ce morceau de linge-là. Qu'est-ce que je fais? Ben, moi, ça me dérange pas, piquer, là. Moi, je vais le prendre pareil. Vous aviez l'intention de prendre quelque chose sans le payer? Non. J'avais pas l'intention de prendre ça, là. Parce que... c'est rien que checker. Parce que vous savez, mademoiselle, très bien, que si vous prenez quelque chose dans un magasin sans le payer, puis qui s'est volé, comme on dit, automatiquement, vous pouvez faire arrêter et puis il faut avoir un casier judiciaire en supplément. Qui ça qui vous a dit ça? J'ai volé. C'est mon intuition personnelle qui m'a dit que vous aviez l'intention de prendre quelque chose dans le magasin. Non, j'avais rien l'intention de faire. Puis, vous êtes en sécurité, vous? Moi, non, je ne suis pas en sécurité, mademoiselle, mais j'ai pressenti que j'étais pour prendre quelque chose sans le payer. Ben non, votre intuition est mauvaise. Comment est-ce que ça, pour devenir que je t'ai piqué quelque chose? C'est devenu pas assez. Comme j'ai dit tantôt, c'est que quand on dit piquer, c'est voler. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes mieux de rien acheter. Parce que si vous faites prendre, vous allez avoir un casier judiciaire qui va être traîné avec vous toute votre vie. Comprenez-vous? Moi, quand je suis pas en sécurité, c'est une intuition que j'ai vue, que j'ai eue tantôt quand je vous ai vu. Ben, merci beaucoup. Mais non, allumé, j'avais une belle intention de voler. Oui, c'est vrai. Mais là, je m'avais allumé. Attention. Bon, ben, l'important, mademoiselle, c'est que vous ayez compris le message. Que quand une personne n'a pas d'argent pour acheter du linge, ou peu importe, on ne l'arrête pas à la place. Parce que le monde ne pense pas aux gravités qui s'ensuivent. Et là, vous, comme je peux voir, que vous avez compris, vous m'avez dit que c'est comme si une lumière vous avait éclairé, que maintenant, vous n'aurez plus le goût de voler jamais, je présume. C'est ça? Oui. Bon, mais c'est parfait. Bon, c'est une bonne journée, mademoiselle. Bonjour. Quand tu dis que tu sors à Pintôte, là, tu n'as jamais volé, là, que tu es contente, là, tu t'en vas, là, mais c'était une mauvaise scène, là. Tu dis que tu l'as payé, tu t'en vas avec, tu es fière de toi. Contente et heureuse pour mon fille. Tu vas faire une mauvaise scène, là, tu vas le payer, puis tu t'en sur ton chemin, puis tu es fière de toi. Tu es contente parce que tu ne l'as pas pris, je l'ai payé, c'est à moi aussi. Tu sors avec ça, puis tu es heureuse. Des fois, t'en vois d'autres où ça pique, puis il y a une brûlée. Ben oui, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, mais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, tout. Ben, faut pas avoir mieux que ça de se rencontrer. J'ai quelque chose de grave à dire. Oui, ben bon. Oui. Et où tu viens, là, t'as les. Je viens de chez Zéla. Ah bon? J'ai rencontré la fille de Sophie. Oui. Et puis elle m'a dit qu'elle avait été, on va dire, au magasin. Et puis, qu'elle avait regardé du linge, tu sais. Et puis là, elle avait dans son idée de voler. Mais comme elle pensait à ça, il est arrivé quelqu'un, monsieur, là, tu sais, il a dit, je sais que c'est ce que tu penses, là, mais c'est pas correct, ça. Donc, il dit, tu devrais, pas faire ça, parce que, là, il dit, allez payer. Si tu veux réellement avoir ce morceau de linge, va payer. Comme là, il a dit, monsieur, je recommencerai plus. Elle dit, promis, là, elle dit, il l'avait mis sur le doigt chemin, là, tu sais, elle était toute contente, elle dit, jamais que je penserai à faire ça, là. Donc, elle était toute fière d'elle, dans le fond, mais malgré que c'est pas correct d'avoir pensé à notre semblable. C'est correct. Elle a fait ça, c'est bien épouvantable. J'aurais pensé qu'elle était voleuse. C'est des affaires qui arrivent qu'on ne s'attend pas, les jeunes, aujourd'hui, là, il arrive tellement de choses. Mais ça, c'était pas dans elle, ça va pas.
Elle a été chanceuse d'avoir quelqu'un. Quelqu'un, oui. Un monsieur qui a fait changer de vie. Ça donnait être dans les alentours. Ben, oui, il est pas incroyable que ce type ait deviné ses pensées. Ben là, parce que moi, je m'en vais, mais mademoiselle, elle est trop bien loin ici, au prochain magasin. Ah, ok. En beau char, il doit avoir de l'argent. Je vais le voler. Beau mec, il a de l'air fait. Je vais le voler. C'est ça qui va te passer, mademoiselle. Qu'est-ce que je fais pour devenir passé? Mais voyons donc, monsieur, c'est pas ça que je pense pantoute. Ah, c'est pas ça que vous pensez. Non? Ben moi, c'est drôle, mais c'est mon intuition qui m'a dit que vous aviez pensé ceci, mademoiselle. Ben non, voyons donc, monsieur. Ah ouais, vire la petite truc là, vire! Vite, là! Pas juste une tiens. Ah ouais, tourne! Un stop à faire, vous tournez le fait de mon stop, shit. Tourne, ah ouais! T'as mieux de tourner. Ah ouais, ton argent. Ah ouais, sors ton argent. Ah ouais! Les rôles ont changé, là! Vous volez. C'est juste parce que j'ai pas d'emploi, j'ai pas d'argent. J'espère que vous me pardonnez, si vous l'avez. Là, je vais vous pardonner, parce que l'important, c'est que vous ayez compris de ne plus jamais recommencer. C'est ça qui est l'important. C'est que vous ayez compris le message et vous me promettiez de ne plus jamais voler. Je vous remercie, comment ça ne plus jamais. Bon, et pour prouver, mademoiselle, que je n'en veux pas, jamais, je vais même vous donner une cigarette, mademoiselle. Et en plus, je vais même vous allumer. Oui, tu vous pardonnez. Écoutez, mademoiselle, ce que vous avez dit tantôt, l'important, c'est que vous ayez compris et ne plus jamais faire ça. Sauf que vous me dites que vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas d'argent. C'est pas une raison pour essayer de voler. Savez-vous, si vous alliez tomber sur un poulet, qu'est-ce qui vous aurait arrivé, mademoiselle? Je ne peux pas vous l'imaginer. Mais là, je comprends votre situation, mademoiselle. Et puis, pour vous montrer que vraiment, vous n'en avez pas, mademoiselle, tiens, je vais vous donner quelques pièces en espérant que ça va vous aider. Merci beaucoup, monsieur. Je ne recommencerai plus jamais. Je suis vraiment désolé. Merci. Bon, ok, mademoiselle, vous pouvez y aller. Merci. Vous n'ennuierez pas avec nous. Que ça soit privé par le gouvernement. Écoute, ça, c'est un peu. Surtout parce que vous êtes comme moi. Mais je suis pire, hein? Ah ouais, mais il m'a regardé. Ben oui, vous. Allô? Joe, viens ici, j'ai affaire à toi. C'est toi, Pierre? Non, ben, ok, j'arrive. Je vais te demander, toi. Ah, bon, c'est parti. Il m'a pas laissé d'argent. Il est parti en voyage. Puis il a besoin d'argent. Je vais faire un vol armé. J'ai besoin d'argent. Puis il a besoin de toi. Pierre, moi, je fais rien sans grand boss. Le boss veut rien savoir qui mange la barre. Moi, en tout cas, Pierre, je ne ferai rien sans grand boss. Puis, je vais donner ma démission à l'organisation. OK? Ça fait que. Puis, je te conseillerais de ne pas faire ton vol. De m'asseoir de côté.
point. Je pensais que t'étais mon ami, mais t'es pas mon ami. Écoute bien, si c'est pour l'argent, voyons. On m'a donné 100 piastres, OK? T'en veux pas? Non, je veux pas. À part de ça, moi je sors de l'organisation. On sort pas d'une organisation de même. Quand on sort d'une organisation de même, on se retrouve les deux pieds devant. On se retrouve dans le fleuve Saint-Laurent. Si je me trouve dans le fleuve Saint-Laurent, je te garantis que tu seras pas loin de gueule de moi parce que ce que tu viens de faire au grand boss. Travailler dans le dos du grand boss, ben tu seras pas loin de gueule de moi dans le fleuve Saint-Laurent. Si je veux pas y aller, je vais y aller tout seul. Ah bon, t'as combien de gars dessus? Excuse, monsieur, mais là, vous aviez l'intention de commettre un vol de banque? J'ai jamais eu l'intention de faire un vol de banque. Commettre un vol de banque. Parce que moi, mon intuition me dit que vous avez en train de penser de commettre un vol de banque à la banque de Shawinigan Sud. Ça, c'est fou. J'ai vraiment pensé de faire un vol. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter mes pensées? C'est une coïncidence. Le vol de mort, on va le faire pareil. C'était un fou, ça. Écoutez bien, monsieur, là. Là, vous, vous aviez réellement l'intention de commettre un vol de banque à la banque de Shawinigan-Sud. Fait que, écoutez, monsieur, là, moi, c'est un... Vous êtes chanceux d'avoir rencontré un bon samaritain après-midi qui vient d'essayer de vous rouvrir l'esprit, vous rouvrir les yeux, comme on peut dire, pour réfléchir. Vous vouliez commettre un vol à main armée. Si vous commettez votre vol à main armée, vous allez le faire arrêter, c'est sûr. Après, vous ramassez derrière les barreaux. C'est à vous de décider, monsieur. Mais moi, être à votre place, je n'en ferai pas de vol à main armée. C'est le conseil que je peux vous donner, ça. Et à ma pensée de faire le vol à main armée. Qu'est-ce qu'il a fait pour deviner mes pensées? C'est une coïncidence. Le bol de mort, on le fait pareil. C'était fou, ça. Monsieur, vous n'avez pas l'intention de commettre un vol à main armée, vous êtes en arrière de la banque, c'est. Monsieur n'avait pas l'intention de faire un vol à main. Non, avec une fausse moustache en partant. Ça, c'est quoi, ici, là? Ça, c'est quoi, ça? Tiens, si c'est pas pour un vol à main armée, c'est quoi, ça? Ah, ouais, ça. Ah, non, c'est ton voisin. Oui, c'est ton voisin. Ton dernier vol de banque que tu commets. Tire pas. Attends de parler, tantôt tu m'as dit que t'as pas l'intention de commettre un vol de banque, t'as pas qu'un d'idée, puis là tu fais quoi en arrière de la banque, c'est? J'avais pas l'intention de faire un vol de banque. T'es le culot de me dire que t'as pas l'intention de commettre un vol de banque, t'es en arrière de la banque ici, avec tout l'équipement,
de cabrioleurs, les masques, les guns, tout. T'as le culot de me dire, oh non, il n'y a pas de tâcheur de faire un voile de bande. Toi, monsieur, là, j'ai de chanceux d'avoir rencontré un bon samaritain comme moi. Parce que si vous voudrez, j'appellerai la police et vous ferai arrêter immédiatement. Même j'aurais pu appeler la police tantôt quand j'avais deviné que c'est pour faire votre vol à main armée, monsieur. Oui, monsieur. J'avais l'intention de faire un vol à main. J'avais besoin d'argent. Mais vous le promets, ça ne recommencera plus. Dans la vie, il n'y a personne qui ne se trompe pas. Je vais vous donner une chance. Je n'appellerai pas la police, monsieur. Mais les conditions que vous me promettez de ne plus jamais penser à commettre des vols à main armée, monsieur. Oui, monsieur. Jamais que j'en ferai des vols de banque. Et puis, je vous en demande pardon, mon excuse. Monsieur, vous m'avez ouvert les yeux juste en temps. Écoutez bien, monsieur. Là. Monsieur là. Il n'y a personne qui ne commet pas d'erreur dans la vie. L'important, c'est de savoir grandir d'après nos erreurs qu'on commet. C'est ça qui est l'important, monsieur. Alors, Firi, tu n'es pas là. Je suis de retour, Firi. Oui, oui, chérie, je m'en viens, là. Je vais te retrouver dans le salon. OK, je m'assois en attendant. OK. Ouais, c'est comme je te disais, ma chérie. Oui. L'autre jour, depuis que je suis dans la quatrième dimension, c'est vraiment incroyable, mais vrai, de voir ce qui m'arrive. Ah oui? En tout cas, j'ai vécu à date toutes sortes de situations. En tout cas, c'est vraiment la quatrième dimension, c'est merveilleux, ça se peut pas. Et puis de plus, si je te dirais que j'ai même retourné dans le temps. Retourné dans le temps? Exactement, j'ai retourné dans le temps. Et je me suis acheté un beau Pontiac noir 1950, un Pontiac américain, un 8 en ligne, 105 forces, un manuel à 3 rapports. Ah ouais? Oui. Et puis en plus, là, si tu avais vu toutes les vieilles autos, même j'ai, en remontant dans le temps, il y avait des vieilles autos, des 48, des 50, des 59, toutes les années. Ou que tu l'as parqué ton char en antiquité? Ben, mon char antiquité, je ne l'ai pas acheté. Je viens de te dire, je vais retourner dans le temps. Ouais. Et je me suis acheté ça quand je retournais dans le temps. Ah, OK. Et puis même, je te dirais plus que ça, que pas croyable. Maintenant, je passe au travers des murs. Ah, tu passes au travers des murs? Exactement. Tu peux pas, ça? Je sais, c'est presque incroyable, mais vrai, mais tu n'as pas vu mon entrée tantôt, je passe au travers des murs, je passe au travers des murs, je devine maintenant les pensées des gens en supplément. Ah oui? Oui, et puis en plus, là, c'est que l'avantage que j'ai, mettons, je m'en vais sur la rue, puis il faut que je me concentre pour être capable de deviner les pensées des gens. Tu sais, j'entends pas comme du murmurant, mais même concentré sur quelqu'un, même à regarder quelqu'un, et là, je devine ses pensées. Hein, tu devines ses pensées? Effectivement. Hey, c'est extraordinaire, ça. Hey, vraiment incroyable, vraiment. Mais aussi, quand ton amour, là. Oui. C'est que depuis que c'est la quatrième dimension, j'ai juste le goût d'être un justicier et de faire régner la justice en toute légalité. Quoi? Un vrai justicier? Mais oui! Ah oui? Oui! Fait que maintenant, quand ton amour, pas que ça t'en passerait, mais moi, j'aurais le goût qu'on irait fêter ça. Ça te tenterait-tu qu'on irait faire un tour à l'exposition de Trois-Rivières? Oui, bonjour! Hey, nous voulons rendre à l'expo. Fais-tu beau? Une vraie belle journée. Ah oui, oui. Fait qu'on va aller essayer les manèges. Ça va être vraiment le fun. Oui. Il fait vraiment beau dans mon nouvel expo. Hey, regarde ce qu'il y a à terre. Hey, c'est quoi ça? Une bâche de chérite avec un portefeuille. Hein? D'après moi, c'est sûrement rapport avec la quatrième dimension. Ah oui, sûrement. Oui, ça sert à ça. OK. Le temps. OK, on y va. J'ai quelque chose à aller voir par là-bas.
Regarde-toi, pendant que tu vas aller essayer les manèges, là, moi, je pars par là, et puis après, on va se retrouver à la sortie. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. OK. Bon. Just finished cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight. Or you don't go out Friday night. Yakety yak. Don't talk. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog, put out the cat. Don't talk that. You give me no dirty looks. Your father's hippie knows what cooks. Just tell your hula from outside. You ain't got time. Hey, je vous reconnais, vous, monsieur. Ben, souvenez-vous de moi? Oui, oui, mademoiselle, je me souviens très bien de vous, oui. Vous m'avez empêché de faire un vol à l'étalage. Vous m'avez ouvert les yeux juste à temps. Oui. Sans vous, je m'aurais fait arrêter pour un vol à l'étalage. Puis, tiens, à vous remercier beaucoup, beaucoup. Bon, écoutez bien, mademoiselle. Là, il n'y a personne, mademoiselle, qui ne commet pas d'erreurs dans la vie. Et l'important, c'est de reconnaître ses erreurs et ne pas refaire les mêmes erreurs. Là, comme je peux constater, vous avez eu votre leçon et je crois que vous ne recommencerez plus. Alors, c'est merveilleux. Puis je suis réellement content, moi aussi, de vous avoir ouvert les yeux et vous avoir remis sur le droit commun, mademoiselle. Ah oui, je vous remercie beaucoup. Quand on n'a pas d'argent, mademoiselle, on n'arrête rien, on n'a pas d'argent pour payer et on ne pense pas à voler. Comme dit le dicton, qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais vous, comme je peux voir, vous avez compris la leçon et je suis vraiment content. Merci. OK, bonjour. Bonjour, mademoiselle. As-tu aimé les manèges? Oui, j'aimais ça. Puis, c'est, même, sais-tu quoi? Il y en a un qui a dégueulé sur la tête des autres. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y en a qui prennent un gros repas avant d'aller dans les manèges? Ou il y en a qui savent qu'ils vont être malades des manèges, puis ils vont quand même. C'est ça le problème. En changeant de propos, là, maman m'a demandé d'aller aux framboises avec elle. Je peux-tu y aller? Oui, oui, aucun problème. Tu aller aux framboises avec ta mère, oui, oui, ça me fait plaisir, ben oui. Et puis après, on se retrouvera chez nous. Oui, oui. Oui. C'est ça, à tantôt. Tu feras pas comme Sophie, la fille de Gertrude, fille du voile à l'étalage comme elle, là, parce que c'est pas. Elle perd son nom, puis il n'y a pas d'avenir avec ça, là. Sophie, là, j'étais à l'Espo, là. Puis elle a eu sa leçon, là. Elle va le plus faire tout. Les magasins. Compris. Elle a compris sa leçon, puis que là, elle venait à bout de faire une femme d'elle, et puis c'est encourageant pour les parents, puis tout ça. Avec Sophie, là. Puis elle a eu sa leçon, puis moi, pas peur, moi, je volerai pas. Je vole pas au magasin. Puis elle a eu sa leçon, elle volera plus jamais. Ah, puis t'auras pas à avoir peur, moi. Vous demandez cette question-là. J'ai jamais volé de ma vie, puis je suis pas une voleuse. À voler. Quand j'ai besoin de quoi au magasin, je l'achète, je le paye. Je vole pas. J'ai jamais volé de ma vie. Franchement. Vous demandez cette question-là. Mais. Oui,
C'est toi, Pierre? Oui, c'est moi. Rentre, viens passer. Un bon petit Whis, 1939. Un bon whisky, Joe Whisky. Goûte à ça. Merci, Joe. Avec ça, voudras-tu un bon cigare? En est justement à deux. Oui, Joe. Pas rien. Prends ça. À part de ça, qu'est-ce qui t'amène ici? Pierre. Viens te demander qu'est-ce qui t'amène ici. Chose importante, dis. T'allumes? Allume. À cette heure, tu vas me raconter ce qui t'est arrivé. Oh, il était dans les parcs pour réfléchir, pour faire mon vol de banque. Ah. Pour deviner mes pensées. A deviné que je voulais faire un vol de banque. Ouais, continue ça, Pierre, continue. C'est intéressant. Il dit au type, toi, fais de l'air, ça presse. Le type a disparu. La banque me prépara à faire mon vol de banque. Le type a passé au travers de la banque, puis est arrivé devant moi. Le type qui a deviné tes pensées. Passe au travers de la banque. Mais continue, là, ça m'intéresse. Il m'a fait réfléchir. Il m'a fait un sermon. Ouais. Et maintenant, je sors d'organisation. Je veux changer de vie. Puis je veux refaire ma vie. Ouais, moi je pense, là, c'est quoi? Je pense que tu es en train d'halluciner. Je dois leur dire, écoute, parce que des gars qui te passent à travers des murs, là, t'en vas pas tous les jours de ça, hein. Alors moi, je te conseille en affaire d'aller voir un docteur. Le docteur-là, il est très bon, c'est le docteur Babeux. Écoute, je suis pas Madame Chou. Qu'est-ce que je viens de te rencontrer? C'est la pure vérité. Je suis pas malade, pas en tout. Ouais, ben, écoute, là. Je veux pas te fâcher, là. Hein? Mais je t'envoie voir un bon docteur. Et puis, si je te dirais que ce docteur-là, c'est. Je pense bien que c'est le docteur du grand boss. Le docteur Baveux, là. Le docteur Baveux? C'est un maudit nom, ça. Un nom couché dehors. Le docteur Baveux m'avait ouvert. Hein? Que puis-je faire pour vous? M'avait ouvert. Oui, un homme qui traverse le mur. Docteur. Soulard. Soulard. Quelqu'un qui voit du monde qui traverse les murs, c'est un problème psychologique, Soulard. Psychologique, OK? Et moi, je soigne les maladies corporelles. Je suis un médecin généraliste. Alors, mon Soulon. Pas Soulon. Soulard, mon nom. Bon nom, c'est pas Soulon, c'est Soulard. Viens, Soulard. Soulon, Soulard, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ton problème psychologique, il faut un psychiatre, mon ami. Un psychiatre. Tu sais ce que c'est qu'un psychiatre? Je le sais, qu'est-ce que c'est qu'un psychiatre. Bon, alors, faut prendre un rendez-vous pour un psychiatre. Mais toi, physiquement, là, Soulon. Soulon! Viens, Soulon, mon nom. Soulon. Toi, Soulon, à ton âge, tu as mal quelque part, t'as qu'à venir me voir. Tu as des petits malaises quelque part? Un bras gourdi, et la main engourdie, docteur Baveux. La main engourdie, ouais. On va aller examiner ça de près. Allez, passe-moi ta main, Souillon. Excusez, Souillon! Souillon.
Alors, est-ce que c'est sensible, ça, Soulard? Aïe, aïe! OK, Soulard. Alors, le diagnostic est facile. Tu as le syndrome du canal carpien. C'est pour ça ton mal. C'est pas parce que t'es plaignard, c'est vraiment douloureux un petit peu. Alors, on peut te soigner ça. Et peut-être au courant qu'il y a des coupures dans le domaine de la santé. Ça me fait ça, moi, des coupures de la santé. J'ai tout le temps payé, tout le temps de ma vie. Tu vas me soigner. Moi, je t'en dis docteur baveux. Tu commenceras pas à rire de mon nom ici, toi. J'en suis fier de mon nom. Tu l'as vu, il est écrit là? Puis à bord de ça, si tu veux te faire soigner par moi, j'ai tout ce qu'il faut, malgré les coupures. Tu vois cette belle petite hache? Ça, mais ça va. Tu chargeras de ça pour moi? Pourquoi pas? Dans le domaine de la santé, il coupe. Alors. Vous pouvez être la hache de même, vous? Cacadière, prévention mécanique? J'avais justement deviné. En bleu une, si mécanique. Docteur, là. C'est bon, là. Juste pour le bois, ça, cette hache-là. À part de ça, la scie mécanique, là, on serre ça dans le bois. Et puis tu ressembles donc bien. Vous avez donc bien, au docteur Caillou. Par hasard, seras-tu le docteur Bayou? Qu'est-ce que c'est ça, ces noms-là? Écoute, moi, je suis docteur Baveux. Tu sais lire? Tu portes des lunettes? T'es capable de lire ça? Oui. T'as oué avec un couteau dans les mains, toi? Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau-là, toi? Ah, il fallait que je coupe un mangue tantôt, puis j'ai oublié de le déposer, c'est pas plus long que ça. Puis c'est pas tes maudites affaires. À part ça, là, on revient à ton syndrome du tunnel carpien. Ça, cette maladie-là, là, c'est un engourdissement des nerfs, OK? Mais répétitif. Toujours le même mouvement. C'est pour ça, Soulard, que t'es rendu avec ce que t'as là, à la main. Bon, voyons maintenant ce que l'on peut faire pour ça. Oui, garde Bourdon, qu'y a-t-il? Oui, il commence à avoir pas mal de patients qui s'impatientent, là, dans la salle d'attente. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ici? Là, il y a un patient qui joue avec mes nerfs, ben, m'en viens un patient. Alors, dis au patient qui prennent le temps, OK? C'est beau, docteur. Merci. Bien. Alors, Soulard, qu'est-ce qu'on disait là? Ah oui, ton tunnel carpien. Bon. OK, Soulard, alors on va aller vérifier ta température. Bien. Alors, tu es au courant, Soulard, que ça, c'est le minimum qu'on fait. C'est le début qu'on fait d'un examen. J'aurais peut-être dû le faire avant d'examiner ton tunnel carpien, mais c'est pas grave. Allez, ouvre ta grande trappe, là. OK, Soulard, on va vérifier ça. Allez, Soulard, ouvre-moi cette bouche-là, là, qu'on voit un peu là-dedans. Oh! Toute une langue sale. Pas grand, puis ça te roule. Va t'en faire une langue sale, toi. Et prendra, qu'est pas un langue plus sale que toi, mon maudit baveux. Les nerfs, Soulard. Les nerfs. C'est moi qui sais, c'est mon bureau, c'est moi qui fais ce que je veux, OK? Les nerfs, Soulard. En passant, tu fais de la température, hein? Alors, tantôt, on va te faire donner une petite piqûre. Si t'es pas trop douillette, ça devrait bien aller. Mais là, m'a vérifié tes réflexes. C'est assez important, les réflexes. Alors. Alors, tu te gardes décontracté, hein? On se crisse pas pour rien. Alors, on va vérifier tes réflexes, mon. Aïe! Douillette! Je t'ai à peine effleuré. On t'appellera pas sous l'or, on va t'appeler Douillette. Quand ça va être tantôt, quand on te donne une piqûre. Ah! Il me reste une vérification, sous l'or. Vérifier tes oreilles. Parce que c'est important aussi, hein? Alors, on va venir à ce bord. OK, Soulard. Allons-y tranquillement. Adieu, je vais recopier les oreilles. On va me souvenir d'être venu ici, moi.
Ah, vous dites que c'est pas un cadeau, c'est cette famille-là. Bon, allez, ça commence. Hip! Regarde! Sais-tu que ça ressemble à de la mousse, ça? Ça arrive-tu que tu te laves les oreilles? Ben, à toutes les roues. On va vérifier ton cou. On va voir, parce que tantôt, de façon que tu te tournais, là, ça m'a l'air d'être raide un peu, ça. Aïe! Ouais, c'est ça que je pensais, hein. C'est raide légèrement, hein, un peu d'après. Aïe, 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 aïe! Cassez le cou! Le mot, t'as dit baveux, là. Bien, alors, je vais t'installer un collier. Ça va t'aider pour ton cou. Et peut-être même une piqûre, tiens. Tu diras pas qu'on t'a pas bien soigné ici, hein? Au bureau du docteur Baveux. Tiens. Yes, sir. OK, alors je vais appeler la garde. Et elle va venir te donner une piqûre. Au cas où t'as encore quelques petits malaises, hein? Elle va tiens-tu aussi dur que toi? Oh non, elle a la main très douce, très douce. Je suis pas dur, moi, pour ça. C'est toi qui es douillette, souillard. OK. Pardon? Oui? Ici, on a besoin d'une piqûre pour notre patient, là. Il dit qu'il a mal à certains endroits, fait que peux-tu venir lui donner une piqûre? Oui, dans une minute. Bien. Tu peux me donner une piqûre, toi? Ah, c'est mal dans le cou, elle n'a pas dû devenir ici. Bon, Yousse. Le docteur, c'est moi ici. Ta piqûre, tu en as besoin d'une, puis tu vas en avoir une, puis ça finit là, OK? C'est moi qui ai le docteur, c'est moi qui mène ici. Elle sent bien là, avec sa piqûre, là. Elle va tirer tout aussi dur que toi. Docteur Baveux? Oui, garde. Alors, c'est ce patient. C'est d'ailleurs, c'est le seul que j'ai dans le bureau, c'est pas compliqué. Alors, tu lui donnes ça, oui. Attendez, ce sera pas là. Hein? Hey, garde! On donne pas de piqûre avec mon veston. Par-dessus mon veston. C'est ça, les coupures, mon cher monsieur. Les méchantes coupures, ouais. Coupures, ça. Ah, c'est ça, c'est dans un hospitalier, monsieur. Merci, garde. Aïe, aïe! J'ai mal au cou, j'ai mal au bras. Ah! OK, OK. On va t'en donner une deuxième. Ah, bien, pas de ça. Avec ça, ça va bien aller. Tu puis que je t'entende pas crier. Elle veut pas de piqûre, elle veut pas de piqûre. Aïe! Tu le soigneras plus, toi. Ouais, j'ai pas piqué à la place que je voulais, hein, le gars. Tu l'as eu, ta piqûre? J'ai quelque chose à te dire aussi, Soulard. Là, avec les coupures qu'on a, là, je veux plus t'avoir dans mon bureau avant 6 mois. Fait que là, range tes flips là, pour pas avoir mal nulle part ou te briser rien, parce que ici, là, avec les coupures qu'on a, je peux pas t'avoir avant 6 mois. OK? Je ne vois pas non plus. Bon, OK. Là-dessus, on s'entend, c'est bien. Maintenant, si tu penses à te faire hospitaliser, j'ai un petit quelque chose pour toi, là. Parce qu'il y en a qui se font hospitaliser et ils abusent du système. Puis même ceux qui abusent pas, il faut pas qu'ils restent longtemps. C'est le même aujourd'hui. Fait que ceux qui veulent rester à l'hôpital trop longtemps, m'a te montrer qu'est-ce qui leur arrive. Là. Check un peu sur mon écran, là. Regarde, ça, on est en direct de l'hôpital central, là. Ça, c'est un patient qui voulait pas s'en aller. T'as vu comment il s'en occupe? Bon, fait que là... C'est épouvantable comment qu'on est rendu. On est rendu d'un monde de fous. Allô? Et puis c'est-tu bon, Doro? Ben, c'est bon. On va peut-être te demander d'aller au bleu. Oui, je serai de retour à soir vers 7h. Ah, il n'y a aucun problème, c'est dans l'amour. Fait que j'avais souhaité de prendre un bon repas. OK, c'est bon. Ça, bye bye. Embrasse, un beau bec. Je t'aime beaucoup, Coton. Oui? Oui, un gros bec. Bye bye. OK.
Excuse, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez M. Hawk Pratou? Ça sera-tu le frère du gros héros? Oui, c'est ça. Du gros Onésime? Oui, monsieur, c'est ça. Le frère de la grosse Bertha? Oui, c'est ça. Comme ça, vous connaissez M. Hawk Pratou? Je ne connais pas ça partout, quoi. Est-ce que vous connaissez le magasin Le Végétarien? Bon, OK. Vous prenez ça. Gauche à la 4e rue. À la prochaine lumière. Après ça, vous verrez à droite. Vous montez le one-way, là. Après ça, rendu au bout du one-way, là. Continuez toujours tout droit, là. Vous allez tomber dessus à un moment donné, puis c'est la troisième. Après ça, continuez toujours, virez à droite, vous allez frapper un one-way, là. Bon, prenez ce one-way-là, finissez toujours, tout droit. Vous faites là, monsieur? Ben voyons, madame, je parle au monsieur qui... Ben, je parlais à un monsieur, il est plus là. Ouais, c'est ça. Ben, un gars, ça disparaît pas de même. D'habitude, non. Vous êtes contre-maître, vous? Ouais. Oui, justement, j'ai des beaux petits porte-clés à vendre. Regardez. Ça vous intéresse-tu? Vous allez m'encourager? Écoutez un peu, madame. Des porte-clés, là. Non. Faites comme moi travailler, puis vous n'arrêtez rien. Des quêteux, là. Amenez assez de ça, là. Qu'est-ce que vous pensez que je fais, monsieur? Ben, faites comme tout le monde, travaillez. Je fais mes porte-clés, puis je les vends. On vous donne même pas de maudite scène noire par ces pas m'encourager. Non. L'argent est assez dur à gagner, qu'il n'y en est pas question. Bon. Gagne donc d'argent comme tout le monde. Vous voulez pas m'encourager, là? Vous voulez rien m'acheter? Non. L'argent est assez dur à gagner, là. Je travaille à soeur de mon front, moi. Pas que ça, vous me faites perdre mon temps. Je suis pressé. Moi, là, je l'ai fait, mes porte-clés. Moi aussi, je gagne mon argent. Tiens, plus qu'ils ont de l'argent, moins qu'ils veulent encourager le monde. On sait bien, des petites gens aussi, ils ne connaissent pas ça. Ah, c'est... Gorgé toujours. Ah, la reste, c'est sûr. Il aurait pu me l'acheter. Lui, il va souper à soir. On sait bien. Plus qu'ils ont d'argent, les gens, moins qu'ils en donnent. Et une misère. Mais comment je vais faire pour souper à soir, moi? Oui. On sait bien, hein? Plus les gens ont de l'argent, moins qu'ils en donnent aux gens qui en ont pas. Ça changera jamais, ça. Comment m'a fait pour aller souper? Mais il est vieux. Thank you.
vient de vous pogner sur la face. Quoi, monsieur? Ce monsieur vient juste de voir tantôt que vous avez volé une madame sans sacoche. C'est une sacoche, j'ai trouvé à terre, monsieur. Mon tas de menteur, pas qu'est-ce qui me retient. Mais là, écoutez, monsieur, ça fait une affaire avec vous, OK? Là, vous allez partir, vous allez prendre le sacoche. Vous allez ramener ça à la madame, vous excusez, vous allez me promettre de plus jamais voler. S'il vous plaît, monsieur, tuez-moi pas, tuez-moi pas, je vais y aller, certain. C'est une dernière chance, OK? Là, tu vas aller reporter que c'était volé à la madame dans sa corps, et puis tu vas lui t'excuser, puis tu vas me promettre de plus jamais voler. À ce moment-là, je te laisse aller et j'appelle pas la police. Je m'en vais poignarder. Qui se tourne le dos, je m'en vais le poignarder. Donne une chance, puis toi, tu voulais me poignarder dans le dos. Ben, ah, mais ça, moi? Non, tu l'as peut-être pas dit, mais tu l'as pensé. Coudon, tu l'as-tu dépensé, toi? Oui, je devais l'y penser. J'étais à la quatrième dimension. OK? Et puis là, on dirait que c'est la belle vraie réalité qu'on vit là. Moi, je te donne une chance. Et t'es prêt à pas appeler la police? Je te donne une chance. Puis toi, pour me récompenser, t'es prêt à me poignarder dans le dos. T'as rien qu'un écœurant, comprends-tu, là? Un sale, comme on peut dire. C'est ça que... Là, moi, j'en reviens pas, puis je ne crois pas. Ça me semble c'est incroyable de penser à voler une madame le soir dans un pack de sans accord. Je ne comprends pas ça. Ça fait un inconscient irresponsable. Je suppose que tu vas dire, là, mais oui, mais moi, j'ai eu des problèmes dans mon passé. Là, c'est ça que tu vas dire, je suppose, là. C'est en plein ça. Personne ne m'a aimé dans ma vie, moi. Personne ne m'a laissé de chance. J'ai tout le temps été tout seul. Personne ne m'a aidé. Oui, voilà. Moi, quand j'entends des réflexions comme ça, personne ne m'avait aimé. Été rejeté de la société, c'est pas une raison, monsieur, pour penser à commettre. Je veux dire que votre réflexion, vous pouvez voir, aussitôt qu'une personne a des problèmes dans la vie, un exemple. Le gars paie sa blonde. L'autre paie sa mère. Oh, ben, il fait des vols pour ça. Moi, j'ai des problèmes dans la vie. Moi, c'est des réflexions que je trouve qui sont insensées, se réfléchir de même, monsieur. Là. Dans la vie, c'est pas de même que ça fonctionne, ça. Malheureuse, oui, personne ne me met dans la vie, ça c'est vrai. Oui. En tout cas, je ne sais pas ce qui me retient de ne pas vous descendre tout de suite, là. Je ne sais pas ce qui me retient quand je pense à la madame quand elle est dans le fac que vous avez.